Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une journée plutôt chargée. Bon, ça marche pas, c'est bizarre ça. On doit déposer Kili à 14h chez une copine pour son anniversaire. Je dois aller faire des courses, faire le plein de la voiture, puisque Kevin a roulé. Et bouffer le plein, hein, clairement. Donc il faut qu'on lui remette de l'essence puisque lundi il travaille. Voilà. Et j'ai probablement mes beaux-parents à manger puisque ça fait un bon moment qu'on les a pas vus. Donc voilà. Et le gros problème c'est que je ne sais pas quoi faire. Et là, il y a l'alarme Mathis qui se met en route. Oui, Mathis est puni parce que hier, après l'école, il a fait deux fois pipi à la culotte. Et une fois, cette nuit dans son lit. Alors que d'habitude, il se lève toujours. Enfin, voilà. Là, clairement, je ne sais pas ce qu'il nous fait, mais il nous fait quelque chose. Donc, je l'ai puni. Voilà, clairement. Hein, on va pas abuser non plus. Donc voilà, oh, je suis fatiguée. Les gendarmes partent rassurés et vont pouvoir se consacrer à une affaire bien plus importante. Oh, voilà, j'ai bien dormi cette nuit. Pas de problème pour ça, je me suis réveillée, il était 7h. Et au moment de me lever de mon lit, j'ai perdu l'équilibre. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu prendre appui sur mon genou qui est abîmé. Donc, mais comme je disais, du coup j'ai appelé Kevin pour lui dire et tout, que j'étais bloquée dans le lit. Enfin, j'ai envoyé un texto parce qu'il est au boulot. Mais j'ai dit que je pense que j'ai trop forcé cette semaine. Clairement, moi je vais à l'école à pied, je remonte à pied, j'ai une côte à monter, malgré qu'elle est pas. Elle est pas comme ça non plus, mais. Faut réussir à la remonter quand même. Et je pense que là. Ouais, j'ai trop forcé sur ma jambe. Bon, après, en même temps, hein, voilà quoi. Il n'y a plus d'attelle, il n'y a plus rien. Hein. Je mets plus rien, puisque de toute façon, rien ne tient. Donc, voilà. Mais, bon. Moi, Ali, voilà. Donc là, il faut que je trouve un... Hop, il faut que je... Faut que je trouve un menu pour ce soir et que je fasse un peu de la checklist qui me manque à la maison. Parce que voilà. Clairement, ça devient saoulant. Mathis, tu vas au coin, sinon je me fâche. Quoi? Dépêche-toi d'aller faire pipi. Ouais. Donc voilà, donc là je vais aller habiller tout le monde et moi idem. Question ménage, j'ai pas non plus. Ça non. Voilà. C'est trop non. Voilà. Fais pas d'effort pour s'habiller, ça m'énerve. Du coup, ouais, il faut que je voie. Pour mon menu et miracle. Alors je sais pas si je vous en ai parlé dans mon vlog d'hier, je sais plus. J'ai fait mes courses il y a quelques jours là. J'ai acheté 3 paquets de lingettes pour tenir jusqu'au 25. Sauf que ils ont disparu. Et bizarrement ce matin j'en ai un qui est réapparu par Mathis. Donc je pense qu'il m'a planqué mes paquets de lingettes. Donc il va falloir que je trouve une solution rapidement là. Il fait trop de bêtises avec les produits de Nil. Bon, déjà ma caisse je l'ai mis au-dessus de l'armoire. Parce que l'autre jour elle a joué avec le talc. La crème pour les fesses. Enfin voilà. Donc là je vais vous laisser parce que ça s'excite de l'autre côté. Et ça joue avec la porte des toilettes. Donc je vais y aller avant qu'il y ait des doigts pincés. Et allez, je vous dis à tout à l'heure. Fais-moi des bisous. Des bisous, c'est quoi ça? Ah,
Oui, je suis une maman. Bisous, bisous. Non. Non. Mais lui, c'est un peu décache-pied. Oui, j'ai le casque sur les oreilles parce que j'étais en train de regarder une youtubeuse. Bah, bah tu veux descendre. Quand je vous dis que Neil nous fait des comédies, hein. Non. Non. Oh, le pas beau. T'es pas beau. Eh oui, monsieur fait ça. De base, je l'ai pris dans les bras parce qu'il dépliait tout le long Jacquilly. Ça y est? Bah dis donc. Dis donc, Louis Titi. Il donne mal aux oreilles. Pourquoi je l'entends rigoler à tout bout de souffle? T'as fini ton cinéma? Oh. Ouais, c'est pour ça. Bon, re-coucou tout le monde. Bon, je vous ai carrément zappé ce matin. Tu vas manger là-bas, s'il te plaît. J'ai les enfants qui passent à table, puisque là, dans quelques minutes, j'ai mes beaux-parents qui vont arriver. Donc nous, on a déjà dressé notre table. Et ce soir, nous mangeons fondu. Et là, j'ai un île qui fait que de pleurer. Ouais, c'est bon. Allez, viens manger. Ils vont finir la quiche Lorraine qu'on a mangée ce midi. Putain. Oh. Oh. Allez, viens. Allez, Neil. Allez, assieds-toi. Tiens, tu manges un peu de dos. Voilà. On a monsieur Neil qui est complètement mais fatigué. Donc là, ils vont manger moins d'eau de dos. Nous, on a été faire des courses à Leclerc. Et on en a eu pour 170 euros, mais c'était que des petites courses à la base. Donc voilà, j'ai eu une super promo sur les courses. Sur les couches Lotus. Je vais tester ça sur Neil, bien évidemment. Et puis voilà, ce soir, nous mangeons une bonne fondue bourguignonne. Donc là, il y a la viande blanche. Et là-bas, là, il y a la viande rouge. Les enfants, ils finissent la quiche de ce midi. Un Mathis qui a encore fait pipi la culotte. Mais ouais, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est casse-pied.
Donc du coup voilà, et ce soir on mange la fondue bourguignonne avec de la salade. Comme ça. Ça va être assez léger quand même. Hop. En fait chérie, t'en as pensé quoi du thé? Bon bah si. Sur le goût? Ouais, Kevin il s'est acheté ça comme thé, ça va sur la tasse Imo. Donc, du coup, comme là il n'y a que lui qui va boire ça, parce que moi j'aime pas ça. Enfin, déjà le thé de base j'aime pas. Donc, je lui demande. J'ai trouvé ça au Leclerc du Neubourg. Donc je pense qu'ils doivent le faire aussi dans les autres magasins. Ah, mais il y a des fois, il y a des produits que tu trouves. Ah, non, ça, je l'ai déjà vu en magasin, sauf que j'ai jamais voulu l'essayer. Ah ouais. Ça regarde, rappelle-toi ta sauce moutarde là. La sauce moutarde. C'est quoi la marque? Spamora. Ça, c'est sûr. Non. Le pot, il est noir. Ah, c'est Maille. Voilà, Maille. Ok. Tu as trouvé pas Leclerc? T'es allé. À Carrefour, pardon, t'es allé au Leclerc de Saint-Sever, tu l'as trouvé. Bah ouais. Voilà. Bon, j'ai pensé à refaire mes recharges produits You. Parce que je commençais à tomber en panne de nettoyant pour la cuisine. J'ai acheté juste la recharge. Donc ça m'a coûté 10% moins cher. Donc je suis contente. Je me suis acheté. Mathis, j'y ai acheté des livres comme ça. Il a déjà une collection à la maison. Hop, il y a celui-là aussi. Et celui-là. Et celui-là. Donc, quand il arrivera de faire pipi au lit, bah, j'y en lirai. Et puis, moi, je me suis acheté un agenda bloc. Parce que tous mes rendez-vous, je les mets sur mon portable, pas de problème. Mais comme on n'arrête pas d'avoir les téléphones qui déconnent, hop là, voilà. Bah du coup, je vais m'acheter, je me suis acheté ça, clairement. Et j'ai reçu ma livraison de vêtements de Kiabi. Donc je suis contente. Donc là, le haut que je porte, ça vient de chez Kiabi. Le pantalon aussi, je me suis acheté un pull. Il y a un autre haut et une petite nuisette. Voilà. Oh là là. Bon, Kylie, elle a été à l'anniversaire de sa copine. Ça s'est bien passé. Et bon, ils n'ont pas pu aller à Youpi puisqu'ils ont eu un problème technique. Du coup, la maman s'est rabattue sur une autre aire de jeu. Mais quel équivalent. Donc, bah, à voir. On essaiera avec les enfants au pire un dimanche à y aller. Ça peut toujours être sympa. Ouais, un dimanche, puisque le samedi, généralement, c'est barbe de monde. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je commence à débarrasser parce que moi, après ce soir, ça va être le bordel. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai refait le plein de jus d'orange aussi. J'ai acheté un pot de Nutella. Il faisait des promos sur les granolas. Donc, comme Kevin, il adore ça, j'en ai repris. J'ai racheté des pâtes, des Nesquik, de la semoule. On a acheté 1 kg de poulet. 2,5 kg de poulet. C'est la doudou. Oh non, c'est bon le doudou, je pense. Tes parents le savent, ils mangent pas trop. Hein. Je sais, je pense que je te lance. Mm. Et c'est-à-dire que moi, je suis du genre à faire de trop. Ouais. Et le rôti, enfin le rôti, la viande rouge, je ne sais pas combien de kilos il y avait. Aucune idée. Attends, c'est parce que mon produit coule. Là, en l'occurrence, il a fini de couler. On s'est acheté un petit fraisier pour ce soir aussi, des sauces, j'ai acheté de la crème. Je me suis racheté du Saint-Moray. Donc voilà.
Du jus d'orange aussi pour moi. Bien évidemment, j'ai acheté du jus d'orange, mais on me le boit pas. Sortin. Oh merde. Il va tomber de la merde, mes beaux-parents sont en retard. C'est parce que ton père il s'est trop hydraté ce midi, c'est pour ça, chérie. Il est pas pressé. Il s'est endormi. Ouais. Non. On a racheté 2 packs de canettes de coca. Et puis je crois que c'est tout, hein. Et 3. Je me suis trompée, j'ai sorti les caramels. Non, mais c'est bon ce qu'il y a sur la table. Non, mais c'est bon. Oh, il est pas chiant. Donc voilà. Oui, bah moi aussi, hein. Puis bien fortement. Et là, il va falloir qu'on trouve l'appareil à tartiflette, j'allais dire. L'appareil a fondu. Non, mais il est là en fait. Il est là-haut. Non, même pas, je dis de la merde, c'est pas lui. Je sais même pas où il est. En fait, c'est parce que nous, c'est comme ça. Mais dans les cartons, c'est pas forcément un aspirateur. Là, c'est déco de Noël. Là, c'est la cafetière de cette année. Je sais clairement pas où il est. Ça, c'est le pied de la télé. Mais là dedans, il y a une cafetière, ça c'est sûr. Bon, il va regarder parce que moi je sais pas où je l'ai mis. Enfin voilà, bon les amis, je vais vous laisser là pour le moment. Si je peux, je filmerai dans la soirée. Mais ça va dépendre. Et puis voilà. Non, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bon, re-coucou tout le monde, on est le lendemain, donc on est dimanche. J'avais pas clôturé mon blog hier soir parce que je pensais pouvoir bloguer. Et au final, non, parce qu'on a très bien rigolé et tout. Donc du coup, voilà. Là, en Normandie, il fait pas très beau. Hein. Il pleut et il y a beaucoup de vent. Et donc du coup, voilà. Donc on n'est pas sorti. Enfin, de toute façon, on n'a rien fait aujourd'hui. On a juste fini la fondue ce midi. Et on est parti s'allonger parce que Kevin a très mal au dos aujourd'hui. Donc là, j'y fais un thé, là. Je vais lui donner des cachets et il va rester au dodo, je pense, le reste de la soirée. Parce que demain matin, il travaille. Donc voilà. Donc mes chers loulous, je vous fais des gros bisous. Et je me dépêche de monter ce vlog pour vous l'ayez demain matin. Enfin, du coup, en l'occurrence, lundi. Donc voilà, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.